Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, de retour pour un petit live sur Pokémon Écarlate. Et donc du coup, aujourd'hui, au programme, ce que l'on va faire, c'est qu'on va un petit peu s'entraîner avant d'aller à la Ligue Pokémon. Sachez une chose, c'est que j'ai fait des petits échanges en ligne. Et il y a un code, alors je me souviens plus exactement du code qu'il faut faire, ou en fait c'est un bot en fait qui te fait des échanges de Pokémon shiny parmi une certaine liste. Et donc du coup la première fois je suis tombé dessus très rapidement, et étant donné qu'il y en a qui disaient que c'était assez long, bah je dis bah vas-y, je vais le faire une fois. Une fois ça l'a fait très rapidement, et donc du coup j'ai dit bon, on va le faire une deuxième fois. Et donc je l'ai fait une deuxième fois, c'était un petit peu plus long, mais du coup voilà, si vous renseignez un petit peu sur internet, vous trouverez facilement c'était quoi le code. C'était deux fois les quatre mêmes chiffres. Bref. Et du coup je vais vous montrer un petit peu qui on a eu. On a eu Terracool en shiny. Voilà, bon, il est pas ouf en gris. Par contre, le premier que j'ai eu, c'est Feu Forêve en shiny. Et du coup c'était un petit peu plus cool. Donc voilà, on a récupéré les Pokémon, on a mis ça dans l'équipe, et puis on XP un petit peu, comme ça en même temps ça nous permettra de gagner un petit peu d'expérience pour aller à la ligue juste derrière. Donc je suis venu dans cette zone parce que c'est une des zones à la fin du jeu que j'avais pas un petit peu découvert, exploré. Et donc du coup on va un petit peu XP notre équipe, et puis capturer les Pokémon que l'on n'a pas. D'ailleurs, faut que je remette le Karchakrok en première position, parce que le Karchakrok, je lui ai pris faux charge. Après, le truc, c'est que je crois qu'ici, c'est quasiment que des Pokémon. Enfin, c'est des Pokémon qui sont niveau 40 et quelques, donc en vrai, je suis pas certain que faux charge soit une excellente idée ici. Après, ça pourra être utile, hein, bien sûr. Mais on va essayer de voir s'il y a pas des Pokémon qu'on n'a pas. On va capturer ça, et puis comme je vous dis, si jamais c'est des Pokémon qu'on a déjà, et bah tout simplement on les tuera, et puis ça nous fera de l'XP. Hop. Fauchage. Faut que j'arrête de dire fauchage. Fauchage. Ça permet voilà de garder un PV sur le Pokémon en face. Comme ça, si par exemple vous combattez un Pokémon niveau 2 que vous avez pas, et que votre Pokémon est niveau 100, vous faites fauchage, et il restera un PV. Forcément, c'est plutôt cool. Mesmerella, Pokémon magouilleur. Après, en vrai, je pourrais même... vu que là, je vais faire un petit peu des... Ah. En vrai, je pourrais mettre plusieurs Pokémon en même temps. Patachion là déjà. Du coup là il faut pas faire, il faut pas qu'on fasse fauchage par contre. Après ça serait revenu à peu près au même, hein, mais il veut faire hurlement. C'est pas cool. Allez ça dégage. Donc ouais, ce que j'allais dire c'est que on peut aller dans la boîte PC et puis mettre les Pokémon au fur et à mesure. Alors attendez. Donc ça c'est évolué. Après il y en a, je sais pas comment ils évoluent en vrai. Merdouille. C'est moi qui l'ai appelé comme ça. Non, c'est pas moi qui ai appelé ça comme ça. Peut-être Damien. Bref, attendez. On va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu au niveau des Pokémon qu'on a dans le PC. Hop, on va prendre ça. Et on va regarder, hop, comment ils évoluent. Alors Azuril, je crois que c'est en... Merde. Tac. Alors c'est où que c'est noté? Ah, il évolue au bonheur quand il est suffisamment heureux.
Bah ouais, je veux bien, mais comment on fait pour qu'ils soient heureux? Bon, on va dire j'en sais rien. Ensuite, on va prendre le deuxième. Comment il s'appelle? Pomme. Après, c'est pareil, hein. Il y a des Pokémon que j'ai peut-être déjà en évolution. Mais bon. Niveau 18. Niveau 18 et marcher 1000 pas avec la fonction en avant. Plus gagner un niveau. Ok, bah lui on va le prendre. Vase d'ectoplasma. Hop. Topico. Comment ça s'écrit? Topico. Hop. Alors ça évolue comment ça? Niveau 26. À la limite je vais prendre celui-là. Mais celui-là, c'est. Du coup ça. Attendez, c'est. C'est moi qui l'ai appelé comme ça? J'en ai aucun souvenir. Merde, oui. On va prendre celui-là du coup. Bah non. Il fait qu'il va évoluer aussi. Voilà, on va faire ça. Et pour le moment, on va partir là-dessus. Toi, je suis quasiment sûr que je t'ai pas, toi. Briochien. J'allais dire avec tes espèces de pâtisseries à la place des oreilles. Ah oui, mais même sur le dos, j'ai pas vu. Putain. Ah, les gars. Ah non, ça marche pas. Ça ne marche pas, l'ami. Briochien. Après, du coup, faudrait que je fasse entre guillemets attention aux Pokémon que j'ai et que je n'ai pas. Comment ça? Mais il s'est mis KO, l'abruti. Non, je veux pas apprendre les attaques, je m'en fous. Frotte Frimousse, je m'en fous aussi. Non, je veux pas apprendre les attaques, je m'en tape. Au pire, on les rapprendra plus tard. Est-ce qu'on a d'autres Pokémon ici? Merci du follow! Polo SPC! Et bienvenue à toi. Bon, tu vas voir. Hein. Là, c'est chill, on se prend pas la tête. Alors, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure. Il y avait une apparition de ces tasses de thé là. Poutchek pas content. Ah, oh, Poutchek. Le fameux Poutchek. Ah oui, mais du coup, je peux pas. Ah, je crois que Dracogris, ça va le tuer ça. Ça va le tuer, évidemment. Donc, on n'a pas de quoi. Attendez. Ah non, d'accord, j'ai cru voir quelque chose au loin, pas du tout. Mais du coup, ouais, j'ai vu qu'il y avait une apparition massive, j'en ai tué quelques... Merde, j'en ai tué quelques-uns. Le problème, c'est que la version... En fait, déjà, de base, c'est une... C'est un Pokémon qui est tout petit. Donc pour essayer de le voir en shiny, mais au secours. Après, du coup, j'ai pas le charme chroma, j'ai rien de tout ça, hein, mais... Non, je m'en fous que t'apprennes tunnel. Ça ne m'intéresse que très peu. Et du coup, bah, c'est vachement compliqué d'essayer de repérer si oui ou non il... Bon, ça on pourra le faire évoluer. Après, en vrai, si on... Bon, non. Est-ce que je vous ai déjà capturé, vous? Je ne me souviens pas. Un chevroom. Non, je ne l'ai pas capturé. Ah. D'accord. Très bien, calme-toi. Faire une autre attaque hein, à la place. C'est Dracogriffe. Voilà. Et ça fait gonflette. Ça me va. Après du coup, faudrait peut-être que je passe plus par le Pokédex. Faudrait peut-être que je fasse plus dans l'ordre en vrai. Que je prenne le Pokédex et que je vois les Pokémon... Pokémon que j'ai déjà. Putain la vache, ça fait mal ça. Par contre le truc c'est que si mon premier Pokémon il meurt, j'ai l'air si mon Pokémon il meurt, après derrière c'est que des niveaux très bas. Voilà, c'est le cas. Ça va, on peut fuir.
En fait, c'est peut-être un peu dangereux de faire comme ça. Merde, non! Voilà, on fuit. C'est peut-être un peu dangereux, en fait, de faire ça, comme j'ai dit. On va essayer de faire évoluer les Pokémon qu'on a déjà dans notre équipe actuellement. Et après, on verra pour faire le Pokédex dans l'ordre. Parce que du coup, il y a sûrement des Pokémon que j'ai déjà... Ah mais non, mais j'avais Infect aussi. Bah, à la limite, je vais le mettre en deuxième position. Je l'avais oublié que j'en avais gardé un deuxième, parce que lui, il doit évoluer également. Donc... Tac. Ok. Après, il y aura sûrement des dresseurs aussi à récupérer. Alors lui, je l'ai buté, lui, l'espèce de porte-clé, là. Enfin, je l'ai buté, je l'ai capturé. Pardon. Oh. Bonjour. Je crois que je l'ai déjà fompi, mais lui... Non, je ne l'ai pas. En vrai, je pense qu'on peut lui faire une attaque et après touchage. On peut même lui faire deux fois l'attaque là. Hein. En vrai de vrai. Faites mal, hein. Faites mal. Pas gentil. Oh, allez. Voilà, il te reste un PV. Enfin, il m'a explosé, j'ai même pas réussi à le capturer encore. C'est quoi le truc avec la crête à la Titeuf là derrière? Ben voilà. Tu vois quand tu veux. Un de plus. Et on gagne des niveaux avec tout le monde. Ah, est-ce qu'on l'appelle Donphan? Mais je sais pas pourquoi j'ai toujours prononcé Donphine. Alors que ça ne se... Merde. Alors que ça ne se prononce pas comme ça, mais... Oula, il s'est dédoublé. Machouille. Allez, ça dégage. Un peu d'XP. Ah. Alors c'est lui qu'il faut faire évoluer en faisant des pas. Enfin, mais c'est insupportable. Faut le sortir et qu'il fasse et qu'il court. Il va se faire casser la gueule instantanément lui. Ou alors faut faire ça au. Ouais, il doit y avoir une technique. Cogne. Non, ça m'intéresse pas. Bon, du coup attendez. Je vais me mettre là dans un coin. Espérons que personne va venir m'emmerder. Alors, du coup, non. On va faire par le Pokédex, on m'a dit. Et on va essayer de faire ça dans l'ordre. Hop. Alors, ok, donc ceux-là, on est bon. Alors, en gris, c'est ceux qu'on n'a pas. Donc, Lilithrell. Alors, comment évolue Lilithrell? Je pense que ce sera plus simple de faire dans l'ordre. Hein. Comment ça s'écrit? Lilithrell. C'est écrit comme ça ou pas? Oui. Tu évolues niveau combien? Niveau 24. Ok. Merde. Détail. Ah oui, non, d'accord. Ok. Bah après, attendez, je me demande s'il n'y en a pas un là de bestiole. J'en ai vu un courir là, non? Il me semblait que j'en avais vu un moi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est l'oiseau. J'ai pas vu un machin courir là. Je
semblant d'avoir vu. Hein. Parce qu'après du coup si on peut éviter d'XP un Pokémon inutilement, j'ai envie de dire. Mythica, est-ce que je l'ai lui? Oh, elle est là la merdouille. Elle est juste à côté la merdouille. Je la vois. On l'a. Vas-y, dégage. Je vais attraper la merdouille. Allez, casse-toi, casse-toi, casse-toi. C'est bien toi, hein. Ah oui, c'est toi. C'est clairement toi. Donc ça, c'est Pokémon Insect. Gambex. Essaye de pas te tuer. Ouais, ouais, mollo. Mollo, mollo. Après, je sais pas quelle est la meilleure zone pour XP. Il y a forcément une zone où les Pokémon sont plus élevés que ça. Je crois pas qu'il y ait une route victoire. Oh, il y a l'espèce de double poivron là, derrière. Ah, la bestiole! Je peux pas te retirer plus de PV, hein, l'ami. Après, je pourrais t'endormir, mais j'ai pas de quoi t'endormir. Donc, tu rentres dans la boule. Ah! Tu veux m'emmerder, c'est ça? Yo, Mathéo! Comment vas-tu? Putain! Ah, bah oui, évidemment! Évidemment que tu me butes au bout d'un moment. Ah le relou. J'aurais peut-être dû prendre Ectoplasma plutôt avec moi. Ah oui mais non mais lui je l'ai gardé parce qu'il a pas. Il a pas encore évolué. D'ailleurs je crois que c'est niveau 50. Je sais plus c'est 55 ou 58. Eh bah merci. Au secours. Gambex. Donc lui c'est bon. Hop. Ça gagne des niveaux. Pomod veut apprendre morsure. Non je m'en fous, je veux pas lui apprendre morsure. D'ailleurs oui c'est vrai que du coup je l'ai gardé dans l'équipe. Putain. Allez, oui oui c'est bien, très bien. Très très bien. Ah on a Granivol qu'on pourrait évoluer. Allez, il me fait peur le loup là. Ah bordel. Laisse-moi tranquille. C'est vrai que du coup je l'ai pas attrapé lui. J'en ai buté plein tout à l'heure dans le truc. Mais le problème c'est qu'il est tout petit. Comment veux-tu faire du shiny hunting sur lui là? Petite échange. Non je veux pas acheter des bouts. C'est pas très maniable hein. Alors je sais que le feu forêve, il peut évoluer avec une pierre nuit, si je dis pas de bêtises, mais j'aimerais bien qu'il atteigne le niveau 50, tout simplement. Pourquoi je pouvais pas appuyer sur X? Voilà, pourquoi ça marchait pas? Et en atteignant le niveau 50, il aura appris toutes ses attaques, donc eh ben écoutez, Granivol, c'est la suite. Granivol. Évolue niveau. Niveau 18 et niveau 27. Et bah très bien. Boîte PC. Et bah d'ailleurs on va prendre notre Granivol Shiny. Pourquoi se priver? Voilà. Et on est parti. Le chien brioche là on l'a vu. Mais ouais je disais le thé froid là c'est insupportable à essayer d'avoir en shiny. C'est vraiment une horreur. Le truc il est tellement petit. Ah oui qu'est-ce que c'est ça? Bonjour. Titeuf. Ah
Ah, je l'ai déjà. Salarsen. Ah, bah, très bien. Bah, je me souviens pas l'avoir eu. J'ai vraiment pas le souvenir de le voir, lui. Je sais même pas si c'est l'évolution de qui. Toxique ? Ah, d'accord. Donc, toxique, même quand je suis sous-sol, tu viens m'emmerder. D'accord, très bien. Je prends note. On va utiliser un truc anti-poison parce que. Non, je veux pas vous apprendre des attaques. Je veux pas vous apprendre des attaques, j'ai dit. Je veux pas vous apprendre des attaques, j'ai dit. Putain. Mais Granivol, arrête! Puis toi non plus, je veux pas que t'apprennes d'attaque. Oh là là. Oh là là! Personne qui évolue? Voilà. Du coup. On a dit. Antidote. Hop, voilà. Il y a un oiseau au-dessus. Alors c'est pareil, j'ai vu pour le Mordu d'or, il faut récupérer 999 pièces pour qu'il évolue. Je ne sais pas combien j'en ai, mais j'en ai pas 999. Non, on va regarder. Si j'en ai 200, c'est déjà bien. Hein. Alors, ça doit être dans quoi là-dedans? 217. Après, je crois que quand tu bats les coffres, d'ailleurs il y en a peut-être un au-dessus là. Tu veux pas monter? Pourquoi il monte pas? Attendez. Mais je peux pas monter à l'échelle là? Il veut pas monter à l'échelle, ce con. Ah, il y en a un là, caché. Je vais prendre de la hauteur et puis on va y aller. Hein. Attendez, j'espère qu'il a plusieurs formes le bidule derrière là. Parce que là, il avait très clairement la crête d'une autre couleur. Non, ça les recommence. Carnivore, arrête, par pitié. Ah. Le Granivol Shiny qui évolue. Oh, il est tout beau. Il est tout beau en tout rose. En fait, couleur s'inverse quoi. Couleur s'inverse. Eh non, il est pas vert, mon Floravol. Il est tout rose. Bon. Ah, je voulais pas combattre le truc là. Allez, au revoir. Bon. Ah, mais du coup, on peut aller encore plus haut. Allez, je prends ça. Allons encore plus haut. Bonjour. Bon, alors normalement de là on peut y aller sur le toit là. J'arrive pas à voir si. Bon, normalement je devrais être au-dessus là. Voilà, parfait. Merde. On va descendre de manière à pas faire de. Oh, Fatal Foudre. Allez. Et je crois que ça donne 50 pièces quand tu bats un mordu d'or de cette forme.
Je crois. Je vais pas dire de conneries, mais j'avais pas remarqué la dernière fois. Allez, au revoir. Ah, ça, 50 pièces de mordu d'or. Allez, descend. Non, je veux pas remonter. Ok, pas bien. Un dresseur. Attendez, mais c'est l'autre avec sa... Attends, l'autre... Ah mais non, l'autre il avait une crête comme ça, mais... Attendez. Non, d'accord, donc il a plusieurs formes. Putain, mais ouais, mais faut le savoir aussi, ça. Ah, il va me refaire toxique, le fumier. Il va me refaire toxique. Non, ça va. Allez, attends. Le terracool, je crois que c'est niveau 30 qui évolue, donc c'est pour bientôt. Non, je veux pas prendre mon pigraine. J'ai vu un dresseur là par là, non? Juste ici. Tout ça on a. Après faire attention parce que j'ai que deux Pokémon du coup. Hein. Faut pas être trop confiant. Oh, oh c'est l'évolution. Hey, là, ça fait un visage. Le virevoreur. Virevoreur. Très bien. J'ai l'impression de toucher le ciel. Ah bah. Quand il pleut, c'est pas ouf. Alors là, on a rien. On va aller vers en dessous. Hein. Bonjour, je te connais toi? Toi je suis pas sûr. Hein. Toi je ne t'ai pas, c'est sûr. Corbos. Ah. Non ça va. Utilise à la queue. Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Attaque à la queue. Alors lui c'est pareil, du coup vous avez pu le voir, j'ai deux Master Ball. Et bah tout simplement comme j'ai dit en début de live, comme j'ai fait les échanges avec le bot là, alors je sais pas si c'est à chaque fois, mais les Pokémon Shiny qui m'ont envoyé, ils tenaient tous les deux une Master Ball. Donc très bien, on dit pas non. On dit pas non. Après c'est pareil, si dans la foulée j'ai fait un code pour avoir un métamorphe étranger. Donc si vous permet de faire des œufs. Donc je dis comme ça, comme j'en étais à faire des échanges. Bah. Ouais, Topico, je m'en fous. Pokémon Ténèbres. Ténèbres vol. Voilà, un de plus. Ah mais du coup j'ai même pas Cornèbre. Ah, le Terracool évolue. Alors est-ce que sa forme évoluée va être plus cool en shiny? Oh les couleurs, putain au secours. Au secours. Terra cruel, Pokémon Champi Méduse. Ah non j'aime pas du tout. Après du coup les tentacules elles sont jaunes normalement. Je me demande si sa forme évoluée de base sans shiny n'est pas mieux. Ok, et bah lui au moins on peut le rebalancer dans le PC. Alors donc il y a lui. Alors Malos on l'a pas récupéré. Rongridou donc. Rongourmand. Hop. Alors, Rongourmand évolue niveau 24.
On va le rajouter à l'équipe et on va attraper. Ah ouais non, il est pas beau. Hein. Merde. Un rond gourmand. Où est-il? Il est là. Hop. Allez, viens ici, toi. Petit coup critique. T'inquiète pas, je comptais pas m'enfuir, l'ami. Je comptais pas m'enfuir. Allez, rentre là-dedans. Oh putain. Aïe. Ils sont chiants à pas se laisser attraper comme ça là. Merci. C'est quoi la ville avec le château derrière là? Ça me dit rien. Garde à joue. Ah, très bien, jeu de mots. Garde à joue. Allez, comme ça, lui, c'est bon. C'est capturé également. Hop. Non, 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 non. On se détend, monsieur. Ah! Bah, lui, j'ai pas. Lui, c'est sûr. Charmi, Charmi quelque chose, non? Charmina. Bah vas-y hein. Ah. Au revoir. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc derrière là? Il fait peur? Il fait peur. Ah, une étoile filante, faut faire un vœu. Bah du coup le problème c'est que si je fais ça, je pense que je le tue, non? Je veux pas apprendre méga sensu. On va aller se trouver un Pokémon Center, il est loin là-bas. Parce qu'on sait pas plus loin de celui-ci. Putain, mais c'est quoi l'espèce de loup rouge là? Ah, quoique je pensais être plus près, mais non. Bah. Ah si. Ne pas tomber sur des Pokémon sur la route. Voilà, comme cela là. Après, est-ce que je... En vrai, très sincèrement, je pense qu'on s'occupera de ça plus tard. Je pense que je vais prendre les Pokémon que je veux pour mon équipe, de mon équipe pour la ligue. Hop, et puis on va. On va juste XP et puis on ira voir la ligue. Parce qu'après là du coup, bah en vrai je pourrais peut-être y aller à la ligue là maintenant. Je sais pas du tout c'est quoi les niveaux. Bonjour. Bonjour. Et au piqueur. Malheureusement, ça risque peut-être d'être fatal maintenant. Bref, gagner un petit peu de niveau avec, avec eux et puis... Oh, c'est quoi l'espèce de truc qui est à côté là? Je connais pas ça. On tue
tue tout le monde malheureusement. C'est pas grave. Mais ça je connais pas ça. Un solo chi. Ah mais merde, ça fait des coups critiques, j'avais oublié. Ah putain. En vrai là si on veut si on veut XP on fait ça. Hein. On met tout ça charrière en premier et puis on dégomme tout le monde. Ouais bah écoutez. On va se faire les dresseurs. On va laisser tomber. Après pour XP, je pense que si on peut refaire la ligue en boucle. C'est ça hein, l'ancienne. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui es-tu toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il est pas mort. Germe éclat. Dépôt toxique. Sale bête va. Ah. Toi. Il me semble que tu as la dalle. Il sert à rien de me regarder droit dans les yeux. Comment ça il est. Pourquoi il est mort? C'est moi qui ai attaqué? J'ai pas fait attention. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est vraiment pas efficace. Oula. Copie et changement de stats. Ok. Peu de chance, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Précision augmente beaucoup. Et mollo garçon, hein. Prends-moi la bouboule. Tais-toi. Merci, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Quand on lance une, il se capture. Aucune pression. Allez. Je l'ai vu la bestiole. Hein. C'est celui qu'on avait vu juste avant. Ah. Bonjour. Est-ce que je t'ai capturé toi déjà, Ténéfix? Oui. Donc tu auras le droit à un bouquet de fleurs, pour la peine. C'est cadeau. Allez, au revoir. Allez, niveau 63. On va aller s'occuper du dresseur. Foutez-moi la paix. Ah, putain. Par contre, là, je crois que je vais devoir changer de Pokémon pour le capturer. Enfin, pour lui faire des dégâts. Allez, Kershakrok. Allez, un deuxième. Mais du coup, je serais curieux de voir en quoi il évolue. Ah, mais je me demande s'il évolue pas en la bestiole dès qu'il court là derrière. Parce qu'il a le même pic sur la tête. Oula. Ah putain, c'est okay, c'est type dragon ça? Solochi. Putain, mais je connais pas. S'il est pas de cette version, je suis désolé. Hein. Pour ceux qui connaissent, mais. Moi, lui, j'ai jamais entendu parler de Solochi. Regardez la bande de trio piqueurs qui se ramène là. Ça n'a pas beaucoup d'XP par contre. Ténèbres au dragon. Putain, c'est pas mal comme double type ça. Ténèbres au dragon. Ah, du coup, dommage, on voit pas en quoi il peut évoluer. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Pourquoi tu dis c'est trop dur? De quoi parles-tu? Ah! Le Ténéfix qui vient se réfugier entre mes jambes. François le livreur. En même temps, pourquoi tu passes par la grotte? Tu peux faire le tour. Hein. Bourinos. Il va se rendre un bouquet de fleurs, le Bourinos. On n'en parle plus. Regarde le Ténéfix. Il est à côté de. Il est à côté du monsieur maintenant. Au revoir. Donne-moi plein d'XP, s'il te plaît.
C'est bon, je peux y aller? Ouais, si t'étais pas fatigué, t'aurais gagné, ouais. Très clairement. Moi, je cherche des dresseurs, moi. Ou des objets. Ou les deux. Un dresseur. Et un objet. Un objet. Qu'est-ce que c'est ça? Pas intéressé. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, disparu? Il y avait un Pokémon à mes pieds là, non? Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un scarabée égyptien. Ah, c'était ça qui avait mes pieds, bon, on s'en fout alors. Bah, qu'est-ce que. On lui balance un bouquet de fleurs au scarabée? Ah, bah, c'est pas très efficace, mais ça tue quand même. Ah, c'est très bizarre. On dirait un scarabée avec des moustaches. C'est très particulier. C'est très particulier. Est-ce que j'ai toujours un Pokémon qui a. Ah oui, mais je me demande si. Attendez. Je crois que j'en ai récupéré un deuxième sur un Levenar que j'avais capturé d'off-chance là. Alors, je sais plus si c'est là-dedans. Pierre, aromate. Ah non, ça doit pas être là-dedans. Ah, ça doit être là. Ah non, ça c'est à vendre. Ce serait là. Bah non. Il me semblait que j'en avais récupéré une autre. Bah non. Bah j'ai fumé. Bah je sais plus ce que j'ai récupéré alors. Quasiment certain d'avoir récupéré un objet sur le Levenar, mais je sais plus ce que c'était. Tant pis. Allez go. On a eu un dresseur au bout là. Bonjour messieurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, c'est effectivement c'est compliqué de retenir tous les titres de Pokémon, je suis d'accord avec toi. Alma l'étudiante. Un chapeau-tu. Il va se prendre un petit mitou, le chapeau-tu. Ah, comme ça on va balancer quelqu'un d'autre au combat. Et le Dracolos. Bah oui, Dracolos c'est pareil, je lui ai appris des attaques. Hein. Je lui ai appris des attaques. Parce que les attaques qu'il avait. Les 3 chances sur 4 de réussir. Plutôt les 8 chances sur 4 de louper. C'était pas ouf. Donc là on a mis des attaques un peu plus précises. Voilà, Cryopirouette par exemple. Voilà. C'est bien aussi. Allez, au revoir. Putain, 1700 XP. Merci beaucoup. Bah, j'ai jamais dit que c'était facile. Hein. D'ailleurs, j'ai même pas parlé. Est-ce qu'on peut monter là? Ah, parfait. Ah, mais y'a rien. Non bah arrête! Arrête! Descends! Mais... Ah d'accord, on peut que descendre comme ça. Ah ouais.
Padadam. J'ai pas envie de rentrer en combat avec, avec quelqu'un. Oula. Un Harry. C'est quoi le truc blanc qu'il y a là-bas? Ah c'est le dehors. Pas pour moi. La soupe. Qu'est-ce qui est arrivé? Allez, t'as pas de Pokémon tueur. Toi, t'as pas trouvé de légendaire dès les 10 premières minutes du jeu. Hein. Du stable randonneur. T'as pas eu de chance, toi. Attention, ça va faire mal. Petit bouquet de fleurs. Pas de Pokémon quoi. Déçu. Choqué déçu. Est-ce qu'on a. Merde. Est-ce qu'on a autre chose par là? Ou est-ce que c'est de là où on vient? Je pense que c'est de là où on vient. Ah. Bien fait de fouiller. Surchauffe. On a un seul ordo. Je sais même pas si on l'a capturé un seul ordo déjà. Ah, petit. Ah, il est perdu. Attends, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Edouard. Malheureusement, j'ai que ça. Ça passe quand même. Fortress. Oh, j'aime bien la couleur qu'il a. Il est, c'était déjà, c'était pas, il y avait pas du violet. Il me semblait pas que c'était cette couleur qu'il avait. Ou alors c'est une forme d'ici comme d'autres Pokémon. Au revoir Edouard le gamin, ce fut un plaisir. J'ai même perdu le chemin vers la victoire. Ne bouge pas, Tree Picker. Je ne te veux aucun mal. Je vais juste prendre ça. Oh, il y a un Ambrilex. Alors attention. Allons par là. Il y a le Pokémon doré. Terracristal. Allez. On va aller voir qui c'est. Un Démolos. Est-ce qu'on en a capturé un déjà? Démolos glace? Ah non. Oh, Démolos spectre. Ah ouais. Ça peut être cool hein, Démolos spectre. Bah vas-y hein. Aïe. Quetteur. Allez. Bim. Tentons de le capturer comme ça. Pas. C'est raté. Je pourrais t'envoyer un petit fauchage, mais j'ai pas envie de switch. On va peut-être devoir. Oula, merde, mais putain, c'est vrai que c'est un Pokémon. Qu'il est con. Ah, mais mon cœur. Ouais, mais mon cœur Chacroc. Il a un peu mal la gueule, donc on va éviter. Voilà, fais ton lance-flamme si tu veux.
Ah non, raté. Allez, ils sont capturés. Ça va bien se passer. Mais il fait lance-lock quand même. Ouais. Merci. Il augmente la vitesse, mais. Comme je veux pas t'attaquer. Merci. Enfin. Crocs de Malos. Ténèbres au feu. Très bien le petit Démolos. Ah bah Malos on l'avait même pas capturé, donc si on en voit un ici, on pourra le prendre. Est-ce qu'on a buté tous les dresseurs qu'il y avait ici? Ou il en reste qu'on n'a pas vu? Je crois qu'on va ressortir de cette grotte hein. Je voulais monter, voir s'il y avait quelque chose au-dessus là. Ah. Oh, il y a encore un Pokémon doré. Chica Impact. Qui es-tu? Un Noctali? Alors de type quoi? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est ça. Ténèbres? Non, je sais pas ce que c'est. Et on peut faire demi-tour. Hop. Ça va être évident à capturer, je pense. Détendre. On va se détendre. On balance de ces trucs dans la gueule. Allez. Ah bah y en a un autre juste derrière de Noctali. D'ailleurs j'ai vu. Ah oui, attendez, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il y a des raids Noctali en ce moment. Regardez ça après. Ah bah non. Ça se capture très facilement un Noctali. Ça donne pas mal d'XP en plus. On va ressortir de la grotte et on va essayer d'aller voir. En fait, on va faire le tour des raids, je pense. Faire le tour des raids. Bonjour messieurs. On cherche un dresseur et des objets. Triopiqueur garde la Pokéball. Je prends juste ça, je m'en vais. T'inquiète pas. Y'a rien en dessous. Là y'a un dresseur là. Ah oui, y'a même un objet. Derrière, ça veut dire que j'y suis pas allé, y'a pas quelque chose. Non. Allez, on va voir le dresseur et puis on se barre. On sort d'ici. Je sais que Ariyama je l'ai pas, mais. Ah si, on l'a battu. Ah bah, c'est le premier qu'on a battu. Bah, attendez, je vais essayer de capturer le Ariyama s'il encore pas y est plus. Bah, tant pis. Direction la sortie. Je pense qu'on a fait le tour de la grotte. En tout cas une grosse partie de ce qu'il y avait à récupérer. Ah bah voilà. Bonjour. Gentil monsieur. Gentil bonhomme. Ça je pense que ça va te tuer, non? Ah.
ça veut dire oui. On va juste faire un petit demi-tour. Ça te gêne pas. Oula. On se concentre au maximum. Alors j'espère que c'est l'attaque ou il est déconcentré ou pas? Il a pas l'air d'être déconcentré. Si, ça va. Petite bombe acide? Tu meurs pas avec bombe acide, hein. Voilà. Enfin, empoisonne. J'ai eu peur. Oula. Non, c'est raté. Parfait. Bon, ça devrait être faisable, la capture. Allez. Ben voilà. C'était rapide. Allez, niveau 54. Pokémon Cogneur. 253 kilos. T'as combattu toi. Je t'ai pas battu? Bah tu sors d'où? Pourquoi je t'ai pas vu? Carabelle la Dracologue. Dracons. Pokémon, attention. Qui c'est que tu nous appelles après? Colimucus. Ah, oh, c'est dragon ça. Vas-y. Dracolos. Dragon contre dragon. Bonjour. Putain, Dracolos il est tellement grand que la caméra où elle était placée. Au revoir. Du coup, j'en déduis que tu as un troisième dragon dans ton équipe. Et là, nous envoie un Pikachu. Un Tranchodon. Alors, vu le nom, je pense que oui. Par contre, il a un nom de classe. Ah, bah, ça fait. Ça fait mi-insecte, mi-dinosaure. Mais non, tu es bien du type dragon. Regardez la bonne tête qu'il a dans Dracolos. Ah, ça a de l'argent une Dracologue. Hein. Donne-moi de l'argent. 4800. Pas mal. Allez, on va sortir d'ici. La sortie, c'est par là. Et on va aller voir vite fait les raids. Si on peut en trouver. Ah, il y a un dresseur. Je t'ai battu toi ou pas? Ton futur. Alors, je vais lancer le combat. Je vais vous abonder deux petites secondes. Attention à toi, petit chat. Alors, il nous a envoyé un électrode, pardon. Hop là. On va essayer balayage. Ça passe. Ça va.
Ah bah c'est terminé. Ok. Un plaisir. Allez, il nous applaudit. Tu pourras aller où le cœur te mènera. Où ton cœur te mènera. D'accord. Je me souviendrai de ton conseil. C'est pas vraiment un conseil. Rien par là, là. Ah, c'est Ambrilex. Ah, on est passé tout à l'heure ici. Allez, la lumière du jour. Wow. Soin auto. Oh putain, mais ça utilisait quoi? Ah, ça utilise une super potion. Ok. Ah, est-ce que je sais plus qui j'ai capturé, qui j'ai pas capturé? Oui, je t'ai capturé. Putain, niveau 15 par contre. Bah, attendez, mais comment on passe d'une grotte où les Pokémon sont niveau 40 à ici où ils sont niveau 15? C'est abusé ça. Ah, mais je vois où on est. Je vois clairement où on est. On est là. On va buter les dresseurs. Hein. Ils sont sur la route. Bouge-toi, toi. Ah, malheureusement, je vais pas te mentir que ça va être un peu compliqué pour toi. What a pic! Fameux Watapic. Bah c'est terminé. Ulysse l'étudiant. Bah désolé Ulysse hein. C'est moi le plus gros danger de la zone. Ah y'a un objet là. Va-t'en le Fantominus. Fier au singe. Est-ce que je t'ai capturé toi? Oh la vilaine bête. Dresseur. Bon, on va aller sur une autre route. Hein. On va clairement aller sur une autre route parce que là, Norbert le scientifique, il est bien sympa, mais un métamorphe. Tu n'auras même pas le temps de te transformer, l'ami. Voilà. On mâchouille un morceau de chewing-gum. Ah bah dis donc que ça valait le coup hein, ça fait beaucoup d'XP ça. Arrête d'applaudir. Je peux pas aller en bas là. Je vais y aller. Je sais pas ce qu'il y a par là. Oh, il y avait un objet là. Putain, j'ai cru que j'étais bloqué. Attendez, j'ai vu un objet au-dessus moi. Ah ah. Je suis parti de la sortie ouest. Et alors? Et alors? Maria l'étudiante veut se battre. Après on peut aller tenter la ligue aussi. On verra ce que ça donne et puis après au pire ça nous entraînera un petit peu. Il fait de la ruse. Ah, dis donc, quel coup critique! Heureusement que t'as fait un coup critique, très cher Pikachu. Non, je ne veux pas changer. Oh, un feu forêt. Moi aussi j'en ai un. Est-ce qu'il est shiny le tien? Ah non, la merde. Après, en vrai, il y a plus la classe comme ça que shiny. Hein. En shiny avec sa couleur vert. C'est vert quel... c'est vert quoi ça? C'est vert pas très beau. Allez Maria l'étudiante, je vais dire au revoir. Je vais juste du coup vérifier si on a quelque chose en dessous, puis on va peut-être aller voir vers la zone, vers la ligue.
Non, non, gentil. Ah, il y a une grotte en dessous. Dracoque. Ok. Elle est là, la grotte. Mais du coup, est-ce que ça mène à la même grotte aussi? Comment ça? Ah, c'est un livreur. C'est bientôt par hasard qui a commandé une pizza. Enfin, si tu veux, hein, mais. Je suis pas certain. Un go Elise. Ah, il y a des objets dans la grotte. C'est peut-être pas la même. Après, on a l'air d'être plus bas quand même. Enfin, c'est pas on a l'air, c'est on est plus bas. T'en as pas un autre. Ça m'arrange parce que. Je gagne pas beaucoup d'XP. Non, non, la commande n'était pas pour moi. Après, si tu me l'as donné, hein, la pizza, je dis pas non. Oh, c'est une petite grotte toute mignonne, quoi. Ouais, c'est pour remonter. Est-ce qu'il y a des objets? Est-ce qu'il y a des dresseurs? Des objets. Aïe. Oh! Il y a l'épée, là. Enfin, le truc. Et du coup, ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Un pied de couleur noire est planté dans le sol. Oui, je veux l'extraire. Ouais, ça fait jamais rien, ça fait tout le temps la même chose. Alors j'espère qu'ils... Bah, je pense qu'ils auraient... Je pense qu'ils auraient pas fait un truc où il faut pas y toucher, ou je sais pas. Je pense pas qu'ils auraient fait ça. Pardon, pardon, je prends juste ça et je prends... Tire debout. Et y a un objet encore. Faible ball. Ah, où est-ce qu'on est là? Je suis pas certain de venir par ici, moi. Qui es-tu, toi? Je te connais. Oh, c'est un bébé. Toxizap. Frotfrimousse. Je ne te connais pas, Toxizap. Ball, ça suffit? Ça suffit pas. Ah d'accord, ok. Je veux une super ball. Ah oui, non, on avait dit les raids d'Evoli. On avait dit les raids d'Evoli. On va aller s'occuper des raids et voir si on en trouve. Ah bah ça va mieux avec une super ball, hein. Monsieur Toxizap. C'est bizarre que je sois pas venu par ici. Après, il y a forcément des zones où je suis pas allé, mais. Quand j'ai entendu un bruit derrière moi. Ah, c'est l'évolution de Salarsen. Ah oui, d'accord. Okay. Oula. Mollo. Bon, allez, on va aller vers le. Putain, mais c'est bizarre que. Parce que le dresseur, j'imagine que je l'ai pas battu. M'excuse. Qu'est-ce que c'est qui brille dans ta main? C'était ta Pokéball? Ah, ou c'est un objet au sol? Crapaudou. Cette merde, bon c'est pas grave. C'est vraiment l'habitude de faire ma chouille. Fonctionne quand même. Allez, au revoir. Hein. Allez, allez. Ouais, je sais même pas si ça vaut. Ça vaut pas vraiment le coup de faire les dresseurs. Après, moi je fais les dresseurs aussi parce que je sais que ça permet de. Ça permet de récupérer des objets au centre Pokémon là de temps en temps.
Bon, en vrai, je vais les faire. Je vais les faire comme ça. Puis on verra. Alors par contre, attendez, j'ai vu un truc. Alors, faut que j'essaie, je vais essayer après. Je crois qu'on peut rejoindre des raids de Pokémon qu'on, enfin de dresseurs qu'on ne connaît pas. Par pitié, faites-lui des dégâts. Merde, j'ai lancé une super boule. Je crois que j'avais jamais entendu la musique jusqu'ici. C'est dommage, ça revenait intéressant. Ok, bon, on récupère des objets toujours. Et du coup, il y a plein d'objets que je peux vendre là. Il y a vraiment beaucoup d'objets que je pourrais revendre. On l'avait déjà au Pokédex, lui? Oui, on l'avait déjà. Ok, alors oui, alors attendez. Poképortail. Qui veut se connecter à Internet. Voilà, on est connecté. Et du coup, on peut faire Raid Terra Crystal. Et voir s'il y a des trucs intéressants. Bah là, il y a des Evoli. Tiens, lui, je le connais pas. Ah, mais c'est le Scarabée. C'est le Scarabée. Bon, en fait, c'est bien ça pour capturer des Pokémon qu'on n'a pas. Il y a les évolis au-dessus. Prendre communication en cours. Vas-y mon petit. Prendre c'est long. Vous ne pouvez pas rejoindre le raid. Comment ça? Il est déjà full? Ah peut-être. Ah merde, du coup, puis moi j'ai rappuyé comme un abruti. Très bien, très bien, très bien. J'ai compris. Je pourrais pas rejoindre le raid. Bah du coup, mets-moi le message plus vite. Putain. Ah ouais, c'est peut-être pas ouf en vrai. Ou alors faut vraiment être très rapide. Parapapam, param. Ouais, merci. Je peux pas actualiser les annonces.
falloir essayer une fois. Hein. Ouais, mais ça remet les... Ah, voilà. Ça actualise. Ouais, mais on s'en fout. Ouais, mais j'essaie le Evoli. Putain, c'est long. Ouais, bah... Nique, hein. Genre, je le referai plus. Hein. Ah, ou alors, on peut faire aller... Ah, bah... Ah là, ça rejoint. Ok, on a réussi à rejoindre un Evoli. Un Evoli 3 étoiles. Allez, Linus, s'il te plaît. Merci, Linus. Mais du coup, ouais, ils auraient mieux fait de faire un truc qui refuse que tu rentres dans le raid ou te dise... que le message qui te dise bah non tu peux pas rentrer dans le raid parce qu'il est plein, ça arrive plus tôt quoi. Il est mignon. Dégâts que ça faisait au final. Ça a été tellement vite, j'ai même pas l'impression d'avoir attaqué. Allô ? Merci. Allez, Pokéball. Pam 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 pam. Evoli, le type Terra Cristal haut. Allez, donnez-moi des bons objets aussi. Ok, bah écoutez, disons que c'est bon à savoir qu'on peut faire ça. Après, de là à dire que je le ferai tout le temps, je suis pas trop chaud, hein, étant donné qu'il y a le temps que ça met. Ah, on l'avait pas dans le Pokédex ? Si, on l'avait dans le Pokédex. Ah non, on l'avait pas dans le Pokédex. Ah non, c'était Aqualie qu'on avait réussi à récupérer. Alors qu'on réessaye. Pour voir si on peut avoir des Pokémon un peu plus rares, un peu plus cool. Ou pas. Je sais pas qui c'est ça. J'ai vu 4 étoiles. On va voir. Oh, il y a un Evoli combat 4 étoiles au-dessus. Bah, à mon avis, c'est... Ah non, c'est peut-être pas mort. Ah non, c'est pas mort. Je sais pas qui c'est le Pokémon là. Non, bah ça va en vrai. Si tu te dépêches un petit peu, une fois que t'es arrivé sur la page, ça va. Tu peux trouver... tu peux tomber assez facilement sur les... Enfin, tu peux accéder assez facilement au raid. Ah, bah, je ne te connais pas, toi. Qui es-tu ? Floramantis. Ah. J'ai pas fait beaucoup de dégâts, je suis désolé. Heureusement que vous êtes là les gars. Heureusement que vous êtes là. Après c'est craqué pour attraper des Pokémon. Passer avec sa barre de vie. Oh la vache, c'est lequel qui fait autant de dégâts là. Ah, c'est moi qui l'ai tué. Mais je peux plus là. Non, mais il a plus de points de vie là. Arrêtez. C'est de l'acharnement. Allez go. Ah
Tralala, on a capturé Flora Mantis. Morceau d'étoile, pépite. Oh, il y a pas mal de choses. Pas mal. Des petits bonbons XP. On apprécie. Ouais, c'est plutôt cool ça, l'histoire des raids en ligne au final. Faut juste être un peu réactif. Et savoir... savoir lequel rejoindre. Enfin, savoir. Se décider rapidement, quoi. Du coup, j'aime pas sa pré-évolution. Après, est-ce qu'on peut tomber sur des raids... Est-ce que c'est possible d'avoir des raids de Pokémon de l'autre version? Je sais pas si c'est possible, ça. Lui, je l'ai pas, lui, c'est sûr. L'évolution de... c'est Barbicha, je crois qu'il s'appelle. On va changer de Pokémon. Oula. On va être poussé à Charia. Ah. Ah si, c'est bon, ça a marché. Ba-da-ba-dam-bam-bam. Le Hariyama, il n'est pas la même couleur, il aura le Hariyama Shiny. Ah ok. On va être que 3 donc. Très bien. Quand vous voulez, messieurs. Hein. Merci. Capturer ou comment ça se passe? Oula, 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 oula. Allez. Ba-ba-da-dam. Allez, je pense qu'on va aller direction la ligue. Hein. Je pense qu'on va aller à la ligue. Mais c'est bien sympa l'histoire des raids comme ça en ligne. Ça peut vous aider si jamais vous avez besoin de trouver un Pokémon. Après voilà, il faut avoir de la chance de tomber sur ce que vous voulez quoi, mais je me comprends. Allez go. Tac. Ici. Allez go. Ah mais non, mais tu peux pas m'envoler? Pourquoi je peux m'envoler ici?
Bah en vrai je vais y aller hein. C'est par là-bas? Vas-y. Vendu. On va tracer en espérant que les... Je vais pas me faire agresser par les Pokémon. Ah, pardon, pardon à l'arbre. On s'excuse. Mordu d'or. Bonjour. Badada. Qu'y a-t-il dans ce raid? Je sais pas qui c'est. Toi, je t'ai déjà combattu et le Pokémon qui est là, c'est quoi? Un Topicœur. Superbe. Oh non. Oh mais je t'avais pas vu toi. Laisse-moi tranquille. Ah il empêche la fuite. T'es comme ça toi. Voilà. J'espère que tu apprécies. Putain l'XP. Oh l'XP. Est-ce qu'il faut pas tout le temps sauter en vrai? Parce que du coup quand tu sautes... Ah mais... Tu peux le faire. Ah ouais. Bon, encore un Pokémon doré là. Qui es-tu? Oh, c'est un oiseau. L'oiseau. T'as déjà vu un objet là? Putain mais je suis venu ici? Je suis pas venu. Après encore une fois à mon avis. À mon avis c'est pas un dresseur qui va me rapporter de l'XP malheureusement. Plaisir. Niveau quoi? Niveau 15. Niveau 12. Superbe. Stéphane le Pokémaniaque. Oui oui je m'en fous de ton énigme. Ça ne m'intéresse pas. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc par curiosité je vais voir. Ça te coupe le... Ça te coupe le jeu d'un coup avec ces écrans blancs là, ces écrans de chargement sans arrêt. C'est un poil trop long, c'était un peu moins long. Ouais. Qui c'est que ça? Je te connais pas, Nimantis. Ah bah si, je te connais peut-être alors. Ah bah au revoir, rip. Ça me dit rien d'avoir déjà attrapé. Voilà, le Nimantis capturé. Oh, tellement d'objets. Tellement d'objets dont je ne sais pas encore à quoi ça sert. Est-ce qu'on l'avait du coup? Vraie question, Pokémon Herbe. Non, on ne l'avait pas. Ah mais c'est l'évolution de Floramantis, d'accord. On l'a capturé il n'y a pas si longtemps que ça. Allez. L'ascension du mont Everest. Pour arriver à la ligue. Et du coup il n'y a pas un chemin... Oh.
tomber. Il n'y a plus musique. Il y a un objet. Le relais. C'est quoi ça? Je crois que c'était un Pokémon. C'est juste de l'herbe. De l'herbe et des fleurs. Soigner tout le monde. Hein. Badaparam. Bon, du coup, voici notre équipe pour la ligue. On peut mieux faire, mais. Enfin, on... disons qu'on a. Ah putain, y'en a un là. Alors, bon. Allez, go! Let's go to the league! Allons nous faire détruire. Crisip, je vois que tu t'es décidé à te mesurer à la ligue Pokémon. C'est le dernier obstacle qui te sépare du rang maître. Tout se déroulera dans ce bâtiment. J'espère de tout mon cœur que tu réussiras cet ultime défi. Si tu y parviens, nous aurons le plaisir de nous, nous retrouver. Tu me laisses rentrer? Oui. Oui. Je vois que vous possédez 8 badges d'arène. Excusez-moi. Et d'accord, merci, merci de me laisser rentrer. Ah. Tout d'abord, merci d'être venu. C'est un plaisir de vous accueillir. Bien, asseyez-vous. Oula. C'est un examen d'embauche et comment ça se passe? Je suis Cayenne, votre examinatrice. Je vais vous faire passer la première épreuve de l'examen de maîtrise. On va commencer par l'épreuve orale. Ah merde. Ah oui, les badges. Vous avez les 8? Parfait. Je vais maintenant vous poser des questions pour, pour mettre vos connaissances à l'épreuve. Oh merde. Oh merde. Ça va. Pour le moment ça va les questions. Je passais par hasard. Enfin non, rien. Je vais mettre ça, ça lui fera peut-être plaisir. Putain, je me souviens plus c'est laquelle moi. Je vais mettre celle-ci. Au pif. Oh putain, mais j'en sais rien. Je crois que c'est elle. Oula. Oh putain, c'était ça. Putain, mais j'ai bien fait de penser à celle-ci. Alors, c'est les types. Ah, c'est Spectre ou Psy? Ah, je sais plus. Ah, c'est une des deux. Je crois que c'est pas ça. Est-ce que ça me troll et est-ce que j'ai des fausses réponses ou... Catégorie? Ah bah oui. Ça va, c'est facile. C'est un entretien d'embauche quoi. C'est bon, c'est fini. Dernière question. Non.
qui répond non. Après, pour la blague, j'aurais pu répondre non. Là. Mais j'avais la flemme de... Ça y est, je peux souffler et reparler normalement. L'oral est enfin bouclé. Ah, on va avoir un QCM aussi, c'est ça? Sur ça, on peut dire que t'as assuré. T'as réussi la première épreuve. Un plaisir. Salut, Pocantas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas les Pokémon? Ouais, non. Ah non, voilà, j'aurais dû dire non. Hein. Après toutes ces heures passées sur le jeu... Zemreux, tu dois probablement... Ouais, d'accord. Ce qu'on appelle l'épreuve pratique. Gros plan sur le visage. Le nom vend pas du rêve. Je te l'accorde. En gros, tu vas affronter les quatre dresseurs du conseil à la suite. Mais je te préviens, ça va pas être de la tarte. Prépare-toi bien quand tu le sens. Va dans la pièce au fond. En même temps... Je le sens pas là, mais j'y vais quand même. Hein. Je veux tenter, je veux voir un petit peu quel niveau, je veux voir un petit peu quel type ils ont, quel Pokémon. Je vais un petit peu me faire une idée. Parce que j'en ai aucune idée, bien sûr. Ah, c'est... C'est austère. Hein. On est dans un cube. On va se faire un petit escape game, c'est ça? Comment ça se passe? C'est donc toi que je vais affronter en premier. C'est moi qui ouvre les hostilités. Tu sais, en fait, je t'aime bien, mais c'est pas pour ça que je vais retenir mes coups. Bah non, gentil. Oula, oula. Musique techno en approche. Cayenne, Barbicha. Ok, je suis prêt. Par contre, me montre pas un niveau 75 parce que... T'as intérêt à te montrer à la hauteur. Je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Niveau 57, ok. Ok, du coup ça peut le faire. Ah. Ok. Et de 1. Ah, la musique elle veut pas partir là, mais dès qu'elle va partir, ça va y aller. Don't find. Ouais, il a fait mal le Barbicha, comme tu dis. En même temps, Blizzard, sur un Pokémon Dragon, c'est relativement pas bon. Allez, le bouquet de fleurs, le fameux, qui nous a sauvés à de maintes et maintes reprises. Oh! Ah, c'est parce qu'il a fermeté, sinon il était mort. Oh putain, en plus. Le poison. Ah, on va se faire un petit demi-tour. Hein. Il faut absolument sortir. Il faut absolument le sortir de là. Putain, la musique par contre. Faites-la partir un moment. Ça va pas être ça tout le long. C'est une boucle de. De 4 secondes. Et encore 4 secondes, je pense que je suis gentil. C'est horrible. Tempête verte. Qu'est-ce que c'est, ça, tempête verte? Une attaque de feuille. Le contre-coup réduit beaucoup l'attaque spéciale. Ça me plaît moyen, ça. Après, ça fait très mal. Bon, bah, du coup, on va envoyer mon Tracite. On va voir qui c'est qui nous envoie. Un trio piqueur. Après les attaques de type sol. Parce qu'ils ont laissé la pièce vide de décor et de focus. Il faut se focus sur les extérieurs. Je pense, ouais. Ah, puis même la musique, ils ont tout donné sur le reste du jeu. Après, je vais pas critiquer la musique parce qu'il y en a certaines que j'aime beaucoup. Mais là on est à la ligue et que. Y'a même rien à rajouter. Hein. Y'a rien à rajouter. Oh putain, merde. Putain, j'ai fait le con. J'ai fait le con. Envoyer Dracolos. Hein. J'ai hésité à l'envoyer avant. Alors. Tempête de sable, ok. Putain,
putain, la musique, j'ai envie de couper le son de la musique là. C'est horrible, c'est insupportable. Allez, au revoir. Mais c'est ridicule de laisser ça comme musique. Camerupt. Malheureusement, je crois que j'ai pas d'attaque. Oh, on va rester là. Après, je crois que c'est. Alors, je sais plus si. Je crois que c'est sol et feu. Donc, si c'est sol et feu. Ouais. Bah, ils m'ont. Ok. Donc, c'est de type feu. Alors, en espérant qu'il va faire une attaque feu. On va voir. Tente le coup. Tente le coup. S'il fait une attaque sol, par contre, c'est pas bon. Putain, il refait bâillement. Non mais. Ne va pas me dire qu'il avait anticipé le fait que je switch. Enfin, je re-switch, hein, je m'en fous. Juste que tu m'emmerdes pas à faire bâillement en boucle parce que sinon, ça va vraiment pas le faire. Ou alors, faudrait que j'envoie mon Pokémon qui est empoisonné. Mais le problème, c'est que si j'envoie mon Pokémon empoisonné. Ah voilà, parfait. Ah, c'est con, hein. Ah, c'est très con ça. Bon, après, je prends des dégâts avec la tempête de sable à chaque fois. Au moins. Allez, ça dégage le Camerupt. Ça en fait quoi? Ça en fait 4 de tuer. Ils en ont quoi? 5 ou 6 des Pokémon à chaque fois. Anthracite, bientôt niveau 62. Un terrestre. Alors, c'est sol haut. J'ai peur qu'ils soient. Un... Ah, j'ai une très bonne vitesse normalement. On va essayer. Parce que sol haut, l'attaque plante, ça va faire mal. Je kiffe ton style. Merci, merci, merci. Mais dépêche-toi, faut que je sorte de cette pièce horrible. En espérant qu'il y aura une. Ah mais merde! Non d'accord, c'est pas Marest, putain mais je suis con. Ouais, c'est juste sol en fait. Putain, j'avais oublié. Ah! C'est quoi ce type? J'ai du mal à savoir c'est quoi les types là. Ah! Bah, un plaisir. Ce serait peut-être type. Non, non, je sais même pas ce serait quoi comme type ça. Allez, c'est bon, c'est fini? On a gagné? Ah, on a gagné. Il est poisson sol au passage. Ah, poison sol, pardon. Ok, d'accord. Bah, sol, je m'en serais douté. Mais après, du coup, poison, non, j'en sais rien. Par contre, si tu connais, c'était quoi le. Sa terra cristallisation là? Je dis pas non. Parce que du coup là c'était super efficace, plante était super efficace, donc c'est bah c'est pas eau. Ce serait peut-être roche, mais je vois pas pourquoi roche. Je sais pas. Allez, putain la musique. Après je te préviens, il y a pas beaucoup de dresseurs qui réussissent l'épreuve pratique. Mais je me dis que t'as toutes tes chances d'y arriver. Ta prochaine adversaire sera encore plus forte, alors t'as intérêt à t'accrocher. C'était sol? Ok d'accord. C'est pour ça que ça formait la terre du coup. Ah c'est Poppy. Et on peut pas se soigner entre chaque combat? On n'a pas le droit. Je te préviens, il se défend plutôt bien. Je vais m'installer à côté pour regarder. Ah ça fera peut-être un peu d'ambiance. Ah si on peut se soigner. On va se soigner. Attendez, je vais faire... Ah voilà. Soin auto. Hop. Soin auto. Ah, ça on peut pas. Soin auto sur Dracolos. On va faire. Alors un rappel. Tac sur Ectoplasma. Ah, j'ai encore plein de potions. Merde. Non. Mais. On va y arriver. Hein. Voilà. Allez, vas-y, je suis prêt. Oui, je souhaite affronter Poppy.
C'est drôlement gentil d'être venu jusqu'ici, mais c'est déjà l'heure de je ne sais pas quoi, parce que mes Pokémon ils sont super forts d'abord. Et tes attaques, eh ben, elles ne feront pas un seul bobo. Allez, je vais te les présenter. On va se faire rétamer. Oh putain, mais la musique, putain, mais faites un effort, putain, vous avez fait des bonnes musiques et là, pour le conseil des 4, c'est de la merde. Ah. Merde, putain, puis moi je suis... Bah oui, bah évidemment. Ah. Piège de rock. Ok, très bien. Bah vas-y hein. Ça m'arrange pas qu'il fait ça. Ah attends, je vais baisser un peu la musique du jeu si tu veux. Si tu veux. Voilà, j'ai un peu baissé, normalement ça devrait être mieux. Bah du coup on va peut-être éviter de changer de Pokémon. Un Corvallus. Ah c'est pas le corbeau ça? Le corbeau évolué? Ah si c'est ça. Peut-être Machouille? Non, enfin, ça fait c'est normal. Oula. Et Dracogriffe. D'accord, c'est moins bien. On va terminer avec Machouille. Hop. Allez, terminé. Et 2-2. Ah, qui c'est que tu nous envoies derrière? Ah, un niveau en plus. Archéodong. Alors, c'est type acier. Je sais pas ce qui est fort contre le type acier. On va garder, hein. De toute façon, on va voir un petit peu ce que ça va donner. J'allais dire ténèbres, mais. Ah, ténèbres et sol contre type acier, d'accord. Heureusement qu'il rate. Hein. Heureusement qu'il rate. Allez, 2-3. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Pour le moment, ça peut changer à tout moment. Si on tombe sur un os. Un fake niveau 55. Magnézone. Alors ça, c'est le magnéton bizarre, ça. C'est pareil, c'est type acier. Donc je peux garder... Ah, moins qu'il ait un autre type. Ça doit être acier, ça. Non. Ah, c'est pas acier. Alors, électrique. Électrique et... Bah si, ça doit être électrique et acier, en vrai. On va essayer autre chose. Hop. Montre acide, je pense qu'il peut faire le boulot. Acier électrique. Ça marche, merci. Donc si je dis pas de bêtises, normalement, attaque de type roche. Attaque de type proche, ça devrait être super efficace. Ah, pas du tout. Ah, parce que c'est... Ouais, c'est acier électrique. Attaque feu, alors. Ah non. Je ne supporte pas être paralysé. Voilà. Le feu, on est d'accord. Par contre, il va falloir que je switch. On va faire ça. S'il me fait une attaque électrique, normalement. Ah putain, oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Aïe. Coup dur. Il faudrait qu'on soit plus rapide. Ah, pour ça, Charia, il pourrait être plus rapide. Pourquoi il est empoisonné? Ah, il s'est pas soigné. Bah, ah, putain, d'accord, oui, ça a juste. Ça a pas changé le statut. Le fait de le soigner automatiquement. Je croyais que ça l'avait fait. My bad. Allez. Bon, il nous aura un peu embêté celui-là. Hein. Tu envoies qui ensuite? Oui, allez, je sais que ça souffre du poison. F
Forgelina, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Rainy tout seul, bah si tu veux. Oh la musique angoissante. Oula! Qu'est-ce que c'est que ce marteau? Bon là par contre j'en ai aucune idée. Hein. Allez on va faire ça parce que ça marche souvent. Acier fait. Bah du coup je pense que mon attaque va pas être efficace du tout voilà. Ah si si tu peux les donner hein, t'inquiète pas. Tu peux les donner, de toute façon moi je les connais pas les. Je les connais pas les types donc toi t'as l'air de bien les connaître. Aïe. Attention au poison. Est-ce qu'on tente un petit demi-tour? De toute façon, mur lumière n'a plus d'effet. Ok, très bien. Après, de toute façon, ma table des types, il y a certains types, je connais pas du tout les faiblesses, résistances. Alors, de toute façon, faut que j'envoie Dracolos à un moment donné. Hein. J'envoie Dracolos à un moment donné. Ok, alors, assez fait. Ah, par exemple, le type fait, je sais pas. Je sais pas. Là, comme ça, je sais pas pourquoi je te dirais poison. Oula. Oula, 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 calme-toi. Putain. Ok. Très bien. Bah de toute façon j'arriverai pas à attaquer en premier là. Ouais. Coup dur. Bon bah ectoplasma. Après peut-être un petit spectre contrefait. Je sais pas. Bon. Allez vas-y mon petit. Ah moi j'aurais dit poison. Hein. Oh putain ça l'affecte pas. Oh il j'avais pas vu il a changé. Bah non mais il est acier. Ah oui donc le poison ça n'affecte pas l'acier. Bon en fait je suis très con quoi. Aïe. On a encore des Pokémon derrière ou pas? Ah on a l'autre qui est empoisonné, qui est paralysé. Bah non mais en vrai il faut que j'attaque avec avec Poussacharia en premier. Peu importe ce que ça engendre. Oh bah non. Le type réfléchit vachement. Le type réfléchit vachement. Coup dur. Bah en vrai je pense que j'aurais pu balancer uniquement des attaques feu hein, quasiment contre tous ces Pokémon et ce serait passé en vrai. Allez. C'est pas grave. On est mort avec panache ou pas. Putain par contre cette musique. Vraiment, je comprends pas pourquoi ils ont mis cette musique. C'est très étrange. Merci. Vous savez quoi? On y retourne directement. J'espère qu'il faut pas repasser le... Oh, ne me dites pas qu'il faut repasser le truc à chaque fois. Faites-moi les combats directement, par pitié. Ah par pitié, sinon je m'en vais, hein, je fais demi-tour. Ah s'il faut refaire les questions à la con. Oh non. Non ça va. Non ça va. Putain j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Je me suis dit ils vont nous reposer les questions à chaque fois, ils en seraient capables. Hein. Bon par contre, dépêchez-vous là les cinématiques. On peut pas passer ça? Prends ton temps. Oui, 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 oui.
C'est dommage parce qu'au début on peut se dire ça va être une musique bien techno là, mais pas du tout. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Bon, du coup j'aurais peut-être dû balancer quelqu'un d'autre en premier pour attaquer, mais... Ah putain, j'avais oublié qu'il avait Blizzard. Oh merde, faut... Oh putain, puis j'ai pas vraiment de... J'ai pas envie qu'il me bute mon Karchakrok tour 1. Enfin du coup ça aurait été tour 2, mais... Putain, il a encore raté. Putain, puis coup de boue quoi. C'est vrai qu'on arrive à la ligue avec coup de boue. C'est quand même triste, hein. Ah ouais, d'accord. Très bien. Oh putain, il a accroupi. Putain, je joue tellement mal. Heureusement qu'il m'a pas encore attaqué parce qu'il aurait pu me buter deux Pokémon d'un coup là. Bah voilà, bien fait. Aïe. Enfin, comme ça avec Toplasma on n'en parle plus. Allez. Sacharya, tu vas attaquer en premier, hein. Dis-moi que tu vas attaquer en premier. Tu es plus rapide que tout le monde ici. Voilà. En vrai, je devrais mettre Poussacharya en premier. Comme ça, le Barbicha, il y a même pas à se dire on va prendre un risque ou quoi que ce soit. Ça c'est fait. Donc Camerupt. Pokémon feu. On va mettre Dracolos. Je crois que je suis en train de refaire exactement la même erreur. Que la dernière fois. Il va essayer de me rendormir encore ou pas? Allez go. C'est raté. Bien essayé mais c'est raté. Allez hop. Ça c'est bon. J'ai même l'impression qu'on galère plus que la première fois qu'on l'a combattu. Ok, donc normalement on devrait pas bouger là. J'allais dire un petit tunnel ça devrait lui faire du mal mais finalement c'est juste efficace. Rip. Après on peut rebalancer le... Ah, je vais balancer Poussacharya. J'ai pas envie de balancer le Dracolos. Même si le fait qu'il soit immunisé aux attaques sol, ça aurait pu être cool. Ah c'est vrai qu'il a fermeté. Putain, j'étais en train de me dire tout à l'heure. Bon, au moins il m'a pas empoisonné. Ah, l'angoisse. Trio Picker, on peut rester avec toi. Hop. Allez, tu l'as pas fermeté toi, hein. Voilà, très bien. Ça me va.
terrestre. C'était... Ah, normalement, c'est bon. Il se transforme en type sol. Et allez, vas-y, 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 vas-y. Ah, il a utilisé abri, j'avais pas vu. Putain, je me suis dit merde, la première fois que je rate mon attaque. Voilà. Donc, Poussacharya. Pour les trois derniers Pokémon, ça peut être notre main pour ce dresseur. Bah même pour le pro... En fait, quasiment tous. Quasiment tous. Allez, au revoir. Hein. Ouais, bravo, bravo, bravo. Bon, après, l'autre, là, derrière... Ça va pas être la même. Ça va pas être la même. Oui, allez, on connaît. Ah oui, c'est vrai qu'il faut se soigner d'abord. Alors, soignons-nous. Bon. Hein. On va utiliser des rappels. Non, je veux pas te donner. Du coup, après, on peut faire ça. Soin auto. Soin auto. Soin auto. Voilà. Allez, vas-y, ramène-toi. Tes types acier. Allez. J'avais dit de façon tout à l'heure qu'on se serait fait casser la gueule par une gamine. Hein. Grosse papate de plus près. Non merci, sans façon, ça ira. Sans façon. Ah, tout à l'heure on avait mal commencé, c'est pour ça. Tout à l'heure on avait commencé. On avait commencé avec faux charge. Fauchage, pardon. Cette fois c'est la bonne. Bah écoute, on va essayer. Hein. On va essayer. Après, si on balance. Il faut qu'on balance des attaques sol. Du coup, si c'est que des Pokémon acier, lame de roc. Est-ce qu'on lui apprend l'âme de roc? Après ça sera oui, ça sera mieux que ça. Allez, vas-y. Donc ouais, c'est que des Pokémon acier. Alors oui, non, il y a lui. Donc il faudrait une attaque combat. Bah là, on a plus à charrier avec balayage. Mais après lui, il est acier vol. Ouais, c'est possible en vrai. Genre comme Hermure à l'ancienne. Corvallus. Allez. Ah non, c'est juste efficace. Donc il est peut-être pas acier lui. Feu électrique marche bien sur lui. Il est acier vol, ok. Feu électrique. Ok, d'accord. Mais du coup, pourquoi... Alors, je comprends pas parce que... acier, on est bien d'accord que c'est faible. Oula. Ah. Acier, on est bien d'accord que c'est faible contre combat et sol. Alors pourquoi... Oh putain, merde.
Vivegriffe ? Pas Vivegriffe. Alors pourquoi lui, une attaque combat ? Pourquoi une attaque combat ce serait pas au moins efficace ? Après c'était peut-être efficace, j'ai pas fait attention. Bon là du coup ça va être un peu compliqué hein. Ça va être un peu compliqué. C'est quoi qui m'a envoyé tout à l'heure ? Bah Dracolos. Ouais. Parce que seul que ce soit pas efficace. Enfin que ce soit pas. Que ça ne l'affecte pas, je suis d'accord. Étant donné que c'est un Pokémon de type vol. Ah putain la vache, on lui fait aucun dégât. On lui fait vraiment zéro dégât. Ça changera rien hein, que je lui fasse ça. Bon tant pis, là je vais pas rechanger de Pokémon parce que. Tu vas se blesser. Bah tant pis hein. On se base là-dessus hein. C'est pas le meilleur move, loin de là. De toute façon on est. On fait pas des meilleurs moves. Pas des bons moves. Ou alors on fait pas exprès. Ok. Alors Magnézone, donc là c'est acier. Acier électrique. Donc acier électrique. J'ai le feu, c'est bien. puis après c'est pareil, il doit avoir le truc vol. Là. Faudrait que je le soigne. Ouais, on va garder avec Dracolos. Hein. Mais il faudrait que je soigne le Pokémon. Parce que là ouais, là on fera zéro dégâts, on est d'accord. Allez bah. On va balancer des rappels. Hein. Lui c'est sol. Pourquoi c'est sol lui? Ça je comprends pas. Bon, bah, si tu me laisses me soigner. Hein. Acier électrique. Ah oui parce que ouais. Ouais d'accord non mais j'ai compris. Putain, il a même pas réussi à me tuer. Donc il est fait électrique. Donc ouais, on peut balancer après sol et feu du coup acier électrique ouais. Allez fais ton attaque électrique, ne fais pas lumineux canon là. Ça va, c'est un peu moins mal mais j'aurais préféré l'attaque électrique. Bah de toute façon après type sol en plus c'est une attaque de merde que j'ai avec lui donc. Faire attaque feu. Mais on lui fait pas de dégâts. Hein. Est-ce que calcination ça lui fera plus de dégâts que ça? Oh non! T'abuses, l'ami, t'abuses! Ouais, sans plus. Ouais, j'utilise une guérison, ouais. Ouais, j'ai aucune race. On a des objets. C'est fait pour être utilisé. Voilà. Voilà ma défense. Aïe. Voilà. Bon. Ah il est chiant lui. Hein. Il est très chiant même. Alors, on gagne des niveaux. Donc Archéodong. Archéodong, pardon. Bah, on peut rester avec ça, avec lui. Ah putain, j'avais oublié qu'il avait séisme. Donc du coup là, faut pas que je prenne mon Karchakrok et que je fasse tunnel. Ça marchera pas. Donc en vrai, pousse à Charia et attaque combat. Bah non, ça marche pas attaque combat. En fait, je suis pas sûr qu'il attaque en premier, moi. Quoi lui ce serait spectre acier. Oh, vache. Ah il rigole pas lui, il est pas là pour rire. Il est pas là pour rire. Bon. Bah vas-y hein, on va tenter. Infect.
sais pas s'il attaquera en premier, ça m'étonnerait. Il attaque en premier, très bien. Ok, bon. Au dernier maintenant. Niveau 56. Fort Jelena. Fort Jelena Jolie, bien sûr. Il va gagner tout seul. Ah, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Quelle angoisse. Je suis même pas sûr que je vais attaquer en premier. Allez, l'attaque sol, normalement, ça devrait lui faire des dégâts. Laisse-moi attaquer en premier. Eh bah, au revoir. Ça fait un plaisir. Donc, contre ce Pokémon, on ne peut pas attaquer en premier. En tout cas, pas avec celui-là. Après, on a Karchakrok qui pourrait faire tunnel. En vrai, je peux tenter le Karchakrok tunnel. Après, j'ai vu que l'attaque combat, du coup, comme c'est acier, ça marche aussi avec, avec Poussacharya. On va d'abord tenter avec Karchakrok. Il avait séisme tout à l'heure, lui, non? Non. Mais il a lame de roc, c'est pas mieux. Enfin, c'est peut-être un peu mieux pour nous. Ok. Ok. vu qu'ils n'utilisent pas d'objets, c'est terminé. Mais ce fut compliqué, hein, putain. En espérant un type un peu plus à notre avantage derrière. Après, si ça va, on avait quand même les attaques sol et les attaques combat, mais. C'est pas si évident. C'est pas si évident. Bah, merci bien. Merci bien, mais merci de merci un peu de ton aide également. Hein. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Ah bah voilà, enfin. Enfin. Ça va peut-être pouvoir nous aider un petit peu. Balabalam, balam. 202 kilos pour 2 mètres. Tu veux même pas prendre d'attaque. Ok, bah n'apprends pas d'attaque. Mais je voulais laver le front qu'il t'a fait. Je voulais laver le front qu'il t'a fait. L'affront, peut-être. Ah. Tant pour moi, le jeu fait la blague à ma place. Bref, t'as perdu. Ça arrive maintenant que... Maintenant, faut que t'appelles le prochain dresseur. Ah oui, c'est vrai, désolé. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas perdu que j'ai oublié. Ah, vas-y, ça flex, hein. You, monsieur, c'est à vous. Oh, lui, il va... Oh, lui, il est pas là pour rire, lui. Très clairement, lui, nous, il va nous défoncer. Celui qui tire la gueule. Celui qui est en dépression. Ah, ouais, lui, il nous éclate. 100% il nous éclate. On va se soigner, hein, mais 100% il nous éclate, lui. Ah, du coup, faut faire des rappels. 3 rappels. On a perdu 3 Pokémon au combat. Merde. Hop. Est-ce que tu veux pas utiliser... Ah bah c'est bon, il a utilisé les potions d'abord. Ah bah c'est bien. Allez hop. Hop. Et hop. Voilà. Par contre, je connais pas tes types de combat. Enfin, tes types, les types de tes Pokémon. Toi, t'as une tête à avoir des Pokémon... J'en sais rien. Ah, de type normal. Alors, normal, c'est combat. Je sais qu'il y a combat. RTT, ça se mérite. Le problème, c'est que combat, j'ai que un Pokémon. Je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'il y a que ça. Hein. Je crois qu'il y a vraiment que ça en faiblesse ou normal. Je
Manation... Ah, de type vol. Ah putain, mais merde alors. Il se fout de ma gueule. Ça sera de la glace. Ok. Bon, on a ce qu'il faut. Mais malheureusement, c'est pas lui que j'ai en premier. On va essayer de... On va essayer de grappiller quelques... Oula. On va essayer de faire des... De faire un peu de dégâts. Oh putain, lance-soleil direct. Je me disais pourquoi il... Comme ça va, je m'attendais à ce qu'il fasse plus mal. Bah vas-y, continue à faire lance-soleil. Hein. Putain, puis ça rate pas. Hein. Ah, ça va. Hein. Franchement, pour le moment, ça va. Je suis déçu de ton trop plus là. Altaria. Donc là, ok, c'est Dragon Vol. Alors, c'était lequel qui avait glace. Après, du coup, j'envoie un Pokémon Dragon. Altaria a des attaques Dragon. Il peut facilement me casser la gueule. Je suis pas sûr que je sois plus rapide. C'est ça. Voilà, très bien. Parce que là, du coup, c'est double faiblesse, non? La glace, c'est pas efficace, c'est pas super efficace contre les types vol aussi. Plumeline. Je sais pas qui c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Danse folle. Ah! On est confus. Voilà, bravo, j'adore. J'adore être confus. Allez, attaque et je te change. Merci. Ok, donc ouais, effectivement. C'est plutôt cool. Après, il faut des attaques électriques aussi, ça pourrait être cool contre eux, non? Et tout Raptor. Ouais, on va rester avec ça. On verra bien s'il prend des dégâts ou pas avec la folie. Eh non, tu baisses pas mon attaque. Tu baisses pas mon attaque, l'ami. Ah, tu t'es blessé. C'est con, hein. Allez, Dracolos. En souvenir de tout ce qu'on a vécu ensemble. Merci. Allez, donc effectivement. Là, il suffit juste de spammer les... Le truc jaune était Elec aussi. Ah, d'accord. Ok. Mais j'ai pas vu le nom Plumeline. Ah tu. C'était bien de me dire le truc jaune. J'ai mieux compris. Flamencool, c'est ça ton dernier Pokémon? Oula. Le truc jaune, j'ai mieux compris. Enfin j'arrivais mieux à discerner de qui tu parlais. Donc les ballons sur la tête, c'est le type vol. Voilà, maintenant je le saurai. Parce que je l'avais pas compris encore depuis le temps. Après, j'en ai pas vu beaucoup. Rapace. Aïe. Ça va. Allez, tu n'es plus confus. Ah putain, si, il est encore confus. Ah, il va pas attaquer cette fois. Ah, le con. Coup dur. Bon. Il va falloir grappiller les dégâts avec un peu tout le monde. Hein. Après, là, on a éboulement avec Tyranocif. On a lame de roc. Après, là, il fait. Ouais, bon, en vrai, on va prendre mon Tracite. Je pense que c'est plutôt un bon move, non? En plus, on attaque en premier avec Vive Griffe. Dommage. Ah, il a close combat. Ouais. Par contre, sa défense baisse. Défense spéciale baisse. Ok. Après, là, j'ai juste à faire une attaque classique. De toute façon, j'aurais pas pu attaquer en premier. Allez, Poussacharia, je pense que c'est ton tour.
T'as juste à faire une petite attaque tranche et je pense que ça passe. Tu vas attaquer en premier, hein. Tu vas attaquer en premier. Bah oui, t'attaques en premier. Bien joué. Allez, c'est fait. Merci les rappels, merci les potions. Ah lui ça va, franchement, c'est vrai qu'une fois que t'as compris que... Mais il a pas parlé des Pokémon, qu'il avait des Pokémon de type normal de base. Ou alors c'est moi qui ai mal lu. Allez, qui sera le quatrième? Le ou la quatrième? Ah ça? Ah ça! C'est à vous! Aïe! Je suis ravi de vous voir ici. Toi, tu vas m'envoyer des Pokémon de dragon de toutes parts. Combien de fois devais-je te le répéter? C'est à vous de m'appeler, pas à Cayenne. Il sent vraiment à rien le conseil des 4. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. À part le premier, bon, à la limite. Puis lui, c'est vite fait. Ouais, c'est vite fait, hein, lui. Vite fait, vite fait. Merde. Ah, après, moi, c'est vrai que du coup, les versions après. Après Ruby. Bah, je les ai pas fait. Je suis pas allé. Ou en tout cas, je suis vraiment pas allé jusqu'à la ligue. Donc, je sais pas exactement à quoi ça peut ressembler le conseil 4. Mais... Le souffle épique du combat. C'est que ses yeux en plus. Ah ça. Oh là là. Est-ce que c'est vraiment type dragon? Ou pas? Je sais pas si c'est vraiment type dragon ça. On va essayer. Ah. C'est effectivement de type dragon. J'en ai la confirmation. Dragon Ball. Ça marche. Bon. Pomme drapi. Alors, le problème c'est que j'ai l'impression que ces Pokémon sont quand même vachement plus rapides que les miens. Niveau 60. On attaque en premier. Oh bah, si on les one shot tous, ce serait quand même quelque chose. Cravarèche. On va garder hein. Et par contre je suis désolé. Mais les Pokémon. En fait plus on avance dans les générations, plus les Pokémon dragon ils puent la merde. C'est mon avis. Il y a peut-être des exceptions, sûrement. Mais c'est mon avis hein. Après il y a lui, mais je l'avais déjà vu dans d'anciennes versions. Putain mais on attaque toujours en premier. Il y a juste le pro. Putain mais. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Putain, 3000 d'XP. Ah ouais, après faut revenir faire la ligue avec des Pokémon bas niveau et puis tu les augmentes. Tu les fais monter de niveau facilement. Glaivodo. Bon, à la limite celui-là. À la limite, vraiment. Que ce joyau Terra Crystal devienne ta couronne, symbole de ta majesté. Ce Karin Karcha, ouais. Effectivement, là, il s'ennuie même à moitié. Hein. Le premier m'a fait une petite frayeur. Puis derrière, ça allait. Hein. Lui, encore, ça va, ça passe comme design. Putain, par contre, le Terra Crystal Dragon, il a la classe. Il a vraiment la classe. Ah non. Malheureusement, il va tomber au combat. Dommage. Ouais, il aura fait une grosse partie du boulot. Hein. Je pense que là, on peut se permettre de mettre un Pokémon rapide. Du genre Poussacharya. Lui faire une petite attaque combat. Et je pense que ça devrait le faire. Voilà.
Terminada. Bah, j'ai l'impression que plus on a avancé, moins j'ai galéré. Et voilà qui est fait. Ah, Ectoplasma va apprendre Dévorev. Alors c'est bien Dévorev, mais... Après, faut d'abord lancer Hypnose, et Hypnose, ça a que 60% de précision. J'adorais cette attaque avant, mais là, non. On va rester comme ça. Ouais, c'était pas ouf, hein. C'était pas ouf, ce combat. Sérieux, j'y crois pas. Il l'a fait. Ah bah, vous deux, vous étiez les adversaires les plus coriaces, hein. Bah ça, alors... Oh, c'est si merveilleux. Je suis tellement bébu. Oh bah non, bah pleurez pas. Putain, le conseil 4 de victime, quoi. Sur ça, faut pas pleurer. On a une gamine, un dépressif. Et bah lui qui est... Ouais, il est très émotif, quoi. Fais pas attention à lui, Crazy. Ça lui arrive parfois de craquer. C'est l'émotion, vous comprenez. Je ne peux pas retenir mes larmes. Oh là là, bon, si j'ai bien compris, c'est à moi d'annoncer le résultat de l'examen. Bon, tu dois t'en douter, mais t'as réussi. Youpi, c'est super, c'est super. Poussa Charia pour Goth. Pourquoi? Tu comprends pas? Parce que... Alors attends, bouge pas. Je vais essayer de te montrer. Hop, est-ce que tu vois ce petit chat qui dort là? Bah ce petit chat s'appelle Aria. Donc du coup on l'a appelé Poussacharia. Tout simplement. Il y a vite fait un jeu de mots, quoi. Merde. Ça l'a même pas réveillé. T'as assuré. Par contre l'examen de maîtrise, il est pas encore fini. Il reste encore l'épreuve ultime. Bien sûr. Tu vois la porte au fond? Derrière, il y a le boss final du conseil 4, la dernière examinatrice. Fais gaffe, elle est super balèze. Aucun de nous 4 lui arrive à la cheville. On s'en est rendu compte quand elle a testé nos skills avant de nous recruter. Mais bon, t'as réussi à me battre, donc je suis sûr que tu vas gagner. À l'aise. En plus, je te donne un petit coup de pouce. Franchement, si tu perds, c'est que tu fais exprès. Oh, putain, la pression que tu me mets là. Ah, tu m'as soigné tout le monde. Eh ben, tu sais, moi j'aime beaucoup tes Pokémon. Merci, merci. Alors, je vais t'encourager de toutes mes forces. Bon... Au dragon bien-né, la valeur n'attend point le nombre d'années. Je connaissais pas ce dicton, mais... Il m'a fiché les jetons, ça y est, il a fini de chouiner. Je suis certain que vous allez y arriver. Partez maintenant, suivez votre destinée. Qu'importe votre taille ou votre âge, la victoire est à votre portée. C'est mignon, bah oui, c'est mignon. Eh ben non, je me barre, je me barre. Allez. En plus, on n'a même pas fait de sauvegarde. Si on perd, on recommencera tout, puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À moins qu'il y ait une sauvegarde automatique. Je ne sais pas. Oh, on est sur le toit, carrément. Aïe, aïe, aïe. Attention. C'est là que ça se complique. Je te souhaite la bienvenue, Crazyp. Cela me fait énormément plaisir de te revoir ici, au sommet de la Ligue Pokémon. Ta dernière épreuve est on ne peut plus simple. Tu dois te battre contre moi. Vaincre la maîtresse en chef est la condition. Sine quoi? Quoi? Sine quoi non? Pour réussir cet examen? Sine quoi non? Je connais pas si c'est... Je sais pas. C'est quoi? C'est du latin? Comment ça se passe? Cependant, avant d'aller plus loin, permets-moi de te donner un petit avertissement. J'ai beau être la présidente de la Ligue Pokémon, je m'investis beaucoup quand je combats. Je ne fais aucun compromis et je donne tout pour m'emparer de la victoire. Et en conséquence, peu de candidats viennent tenter cet examen, à mon grand regret. Néanmoins, je sens bien que tu es différent. Tu me rappelles maîtresse Menzi au fond. Pour toi non plus, rien ne semble impossible. Mais trêve de bavardage. Es-tu prêt? Alors montre-moi toute l'étendue de tes talents. Bah let's go. Alisma, la maîtresse en chef, veut se battre.
Ah non. Bah par contre, pouce rouge, parce que là, tu commences avec ça. J'espère sincèrement que tu m'arracheras la victoire afin d'atteindre le rang maître. Bah j'espère aussi, je vais pas te le cacher. Allez, Karchakrok, le même combat qu'avant. Excellente offensive, continue comme ça. C'est du foutage de gueule ou c'est... Enfin c'est ironique ou c'est... Comment ça se passe? Ok. Bon. Déjà on va prendre l'avantage. À moins qu'il me fasse une autre attaque plus rapide, je sais pas. Mais voilà. Prends l'avantage. Allez, ton espèce de pan en ballon de baudruche là, ça dégage. Ok. Et de 1. Un délestin. Je sais pas ce que c'est. Quand on sait pas ce que c'est, pardon, on touche à rien. Ok, c'est un poisson. C'est un poisson acier. C'est acier haut. On fait mâchouille. Putain, mais ça enlève exactement le même nombre de PV. Ah putain, c'est peut-être glace même. Ok, c'est glace. Alors c'est glace, glace quoi? Glace spectre. Donc je dirais feu. Ah non, pas feu. On peut renvoyer Tyrannosif. Ectoplasma, ça peut être bien aussi. Ectoplasma. Opsi, d'accord. C'est même pas glace. Est-ce qu'on va attaquer en premier avec l'ectoplasma? Oui. Allez, ça dégage. Ok. Donc est-ce qu'elle aurait que des Pokémon psy? Seracrawl. Pareil, je sais pas ce que c'est. J'irai un oiseau comme ça au pif. Ah, un très bel... C'est un très bel oiseau. Un très très bel oiseau. Bah là, très sincèrement, j'en sais rien. Bah là, c'est glace. Hop, ça va. Oula. Glace sol. Putain, la vache. Une table basse. Effectivement. Ah, je verrai pas ça chez moi, hein. Je vais pas te mentir. Donc on a dit glace. Bah, je dirais glace et sol. Donc en théorie, attaque feu. On essaye de réfléchir. J'y viens, on essaye. Je fais de mon mieux. Vive griffe, pareil. Très bien. Ah! Ah! Comment ça, il a pris aucun dégât? Comment ça, il a pris aucun dégât, pardon? Par contre, Fesséisme, me fait pas une attaque glace. N'anticipe pas le fait que je change de Pokémon. Sinon, ça va mal se passer. Ça va. Bah, du coup, en vrai. Je sais pas, il a une sacrée défense spéciale alors. Sacrée défense tout court, mais il a Scalpereur. J'en sais rien. Un oiseau encore? Si c'est un oiseau, on va garder. Je sais pas pourquoi j'ai envie que tout le monde soit des oiseaux. Ah non, c'est pas un oiseau. Général suprême. Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. La cryopirouette. Ah ouais, ah bien joué. Aïe. Dracogriffe, on va voir. Ouais, c'est toujours pas efficace. Bon, là je crois qu'on a pris un sacré coup derrière la tête, malheureusement. Du coup, c'est Tyrannosif. Ténèbres acier. Ah, la tempête de sable. Après, du coup, est-ce que ténèbres... Attends, est-ce que ténèbres, c'est efficace face au... Enfin, est-ce que c'est, ça peut être touché? Est-ce que ça peut être touché face à, face aux attaques sol? Je pense que oui, hein. Ouais, ça peut être. Aïe, 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 aïe. Putain.
Ok. Bon. Il t'en reste combien, mamzelle, là? Un chevroom. Chevroom? Je sais pas ce que c'est, ça, chevroom. Bon, normalement, on change pas quand on connaît pas, hein, mais... Avec tir nocif, j'étais pas trop serein avec ces 4 PV. Alors, qu'est-ce que c'est, chevroom? Ah! C'est la biquette. Ok. Par contre, du coup, là, Ah, il attaquera pas en premier si j'envoie mon tracite. Après... Merde. Dans tous les cas, il faut en sacrifier, hein. Oh bah... Après, en vrai, je vais... Du coup, je vais essayer d'attaquer avec Vivrif, hein. On va tenter un peu le tout pour le tout. Ah bah, il prend des dégâts par la tempête de sable. Bien fait. Ah, il n'y a pas de Vivrif. Au revoir. Ça leur donne de la vie? Non. Oh, ça va. Du coup, là, on peut refaire demi-tour. On peut réenvoyer notre Poussacharia. Bien fait. T'avais qu'à pas reprendre de la vie. T'avais qu'à pas me tuer mon Montracite. Ok. J'aimerais bien ne pas avoir utilisé d'objet pour lui. Enfin, pour elle, plutôt. Réussir comme ça. Mais ça va pas être si évident que ça, je pense. Parce que là, du coup, ça serait son dernier. Putain, cassez-vous les points d'XP, là. Je vois même plus qui c'est qui a envie. Tempête de sable se calme. Un floréclat. Alors, en vrai, je vais garder. Alors. Va falloir voir... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, en vrai, je vais tenter ça. Je vais pas faire de rappel. On va essayer de voir si Tyrannosif il peut être. Parce que je connais pas, je sais pas du tout ce que c'est ça comme type. Floréclat. Comme ça, Floréclat, je dirais type plante. Ça me paraît peut-être un peu trop logique. Roche poison. Bah, tu vois, j'y étais pas du tout. Ok. Donc, à mon avis, on est mort là. Roche poison. Oh la vache. C'est fini. Oh putain, on a résisté à ça? Tu vas te prendre un séisme dans la gueule, toi? Oh merde. Bah, tu vas te prendre un séisme dans la gueule quand même, hein. Oh la vache. Ok. Oh non. Oh non. Ok. La panique. La panique. Bon, finalement, on a utilisé des objets. Oh putain. Ah oui, c'est vrai que ma défense spéciale a baissé. Que je suis con. Puis là, j'aurai pas d'attaque qui pourra. Ok. Tellurie force. Et c'est quoi l'autre qu'il a fait? Je me souviens plus c'est quoi l'autre attaque. Ah oui, le truc... Ouais, attaque sol c'est bien, mais le problème c'est que... C'est qu'il est plus rapide que moi. C'est ça le problème. Le problème c'est ça, c'est qu'il est plus rapide que moi. Putain, oui, j'avais oublié. Allez, je tente. Le coup de poker. Cette attaque ne m'a jamais déçu.
Après, je sais qu'il y a, poison. Donc ça risque pas de... Mais après, il y a roche. Ça va peut-être égaliser les... égaliser l'attaque. Balance une bouquet de fleurs à la gueule. Voilà, bien joué. Terminada. On n'en parle plus. Cette attaque fut dévastatrice. Bravo, tu mérites des applaudissements. Bah, il n'y a pas eu beaucoup d'applaudissements. Puis je les ai pas trop entendus. Par contre, attends, il est pas mort le bordel là? C'est bon, c'est fini? Ah, c'est terminé. Merci pour les GG. Eh bah, ce fut pas évident, hein. Ce fut pas évident, Après, Karchakro qui nous aura fait quand même plaisir hein, dans les derniers combats. Les premiers, c'était pas trop ça, mais plus on avançait, plus on avait besoin de lui. Tant mieux. Je crois bien que la région de Paldea assiste à la naissance d'un nouveau dresseur d'exception. Je te félicite et je suis fier de pouvoir t'appeler désormais Maître Crésip. Tu l'as mérité, cette victoire. Ah, c'est bon, ça pleure plus. Youpi, t'as réussi. Félicitations. Ouais, bon. Allez, il chiale. Voilà. Ça chiale encore. Les dresseurs et dresseuses de Paldea sont les trésors de notre région. Et celles et ceux qui atteignent le rang maître en sont les plus précieux bijoux. Maître Crésip, je compte sur toi pour montrer la voie à tous les dresseurs de Paldea. Maintenant, permets-moi de te raccompagner jusqu'à la sortie. Je pense qu'une de tes camarades de classe doit t'attendre avec impatience. Serait-ce notre ami Menzi? Évidemment que c'est notre ami Menzi. Eh oui, la voici. Elle était même pas là pour nous supporter. Me dis rien, ça se voit sur ton visage. T'as atteint le rang maître, hein? Non. T'es marrant. Ouais, allez. J'étais déjà au courant, en fait. La chef m'a prévenu quand t'as réussi ton épreuve pratique. On est maîtres tous les deux, c'est génial. On peut donc se battre sur un pied d'égalité. Alors, je t'ai déjà posé cette question, mais là, c'est l'occasion de confirmer. Tu veux bien devenir mon rival? Ouais, vas-y. Elle est contente. Et tu sais ce qu'on fait quand on est rivaux, digne de ce nom? Des combats à la pelle. D'ailleurs, si on en faisait un tout de suite, je vais absolument tout donner. Viens à peine de finir son examen de maîtrise. Lui et ses Pokémon doivent être fatigués. Tu sais que les maîtres et maîtresses ne doivent pas faire preuve d'égoïsme. Laissez donc se reposer. Oh, vous avez raison. J'ai encore été trop enthousiaste. Pardon, Crésip et Karchakrok. De plus, souhaites-tu vraiment que le premier combat qui célèbre votre nouvelle rivalité ait lieu sur un sentier comme celui-ci? Dit comme ça, c'est sûr que non. Dans ce cas, vous pourriez nous prêter le terrain du combat de la Ligue Pokémon pour un petit moment, s'il vous plaît. Je suis sûr que vous pourrez trouver un endroit qui a une signification particulière pour vous deux, non? Bah, devant chez Menzi. Bah voilà. Dans la ville, au restaurant. Ah non. C'est vrai que là-bas, on a fait notre premier combat. Mais je connais cet endroit par cœur. Il n'y a rien de spécial pour moi. Bah... Ok, bon, bah vas-y, si tu veux. J'aurais préféré derrière chez toi. Moi, ça aurait été plus cool. C'est là qu'on s'est combattu et qu'on s'est rencontré. Mais bon. Un rival à mon niveau contre qui je peux tout donner en combat. En plus, elle dit, c'est un endroit que je connais bien. En bas de l'académie, c'est pareil. Hein. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré, Crésip. Bon, et maintenant, direction le terrain de combat de la place centrale de Messaledo. Je t'attendrai là-bas. Et bah, tu pourras attendre un bon bout de temps, très cher. J'admire le respect mutuel que vous entretenez. J'aurais aimé qu'elle se montre aussi sincère avec moi lors de son examen final. Maîtresse Menzi a beau m'appeler chef, je sais qu'elle a retenu ses coups lors de notre combat. Mais contre toi, je pense qu'elle montrera toute l'étendue de ses capacités. Ok, y a même pas de... Y a même pas de félicitations, vous avez battu la ligue. Enfin si, mais vite fait quoi. Ok. Et bah ben, en plus notre équipe est... évoluée au maximum. J'aime bien la gueule qu'elle a, même si je pense qu'il faudrait qu'on retire... Ouais, à bientôt. Je pense de notre équipe, il faudrait qu'on retire peut-être... Ah je sais pas, Karchakrok ou Dracolos en vrai. Parce que du coup on a deux types dragons.
Après sur le reste. Après là on a Roche Ténèbres, Roche Feu, Plante Ténèbres, Dragon Vol, Spectre Poison. Mais ouais, faudrait retirer soit Karchakrok, soit Dracolos. Faudrait qu'on fasse ça. Je sais pas, on verra bien. Mais bon, votre orbe Terra Crystal est chargé. Ah oui, d'accord. Très bien. Bon, et eh bien écoutez, on va faire comme d'habitude, on va prendre de la hauteur. On aura peut-être plus de hauteur en allant. Ah ouais, mais c'est. Non, on va peut-être s'y aller par là. On va prendre de la hauteur. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez! Tu peux le faire. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Ah oui, on n'est pas censé venir là, nous. Qui es-tu, toi? On va te casser la gueule, hein. Fais attention. Ah! Superbe. Superbe angle de vue. Et hop là! Ah, la caméra. La caméra est parfaite. Parfait. Et bien merci du follow, Pocahontas. Et encore une fois, merci de ton aide pour la ligue. Ça aurait été bien plus compliqué, je pense. Allez go! Hyper ball. On termine sur une... D'accord. Très bien. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Putain, mais regarde la caméra, au secours, je le vois même plus. Est-ce que tu veux bien rester dans la bouboule? C'est raté. Putain, mais la caméra. Enfin, après, ça sert à rien que je la bouge parce qu'à chaque fois. Ah, quoique, si. Ah non. J'allais dire, elle va rester comme elle est. Eh ben enfin, Magnézone. Et bon, on garde ça. Bien chaudement dans la boîte PC. Électrique acier, c'est bon. On l'a retenu ça maintenant. Et du coup, Pocahontas, je t'ai pas posé la question. Quel starter tu as choisi? Je vais te poser la question. Quel starter tu as choisi et quelle évolution finale des starters tu préfères? En fait, je veux pas tomber. Non, mais je vais rester là parce que j'ai peur de tomber dans le cratère et de me faire engueuler. Voilà, on a une magnifique vue, hein, n'est-ce pas? Pareil que toi, tu as pris Poussacha du coup. D'accord. Et l'évolution que tu préfères, la troisième évolution? C'est. Enfin, c'est. Je sais même pas comment il s'appelle. C'est quoi son vrai nom à lui? Miascarade. Ah, Poussacharia, c'est mieux. Hein. C'est la seule évolution finale qui ressemble à quelque chose. Alors, moi, sache que j'ai pris mon starter. Sans savoir à quoi ressemblaient les versions finales. Et étant donné que... En fait, le truc, c'est que moi, la première évolution... Enfin, la première forme des starters qui me plaisait le plus, c'était Poussacha. Ensuite, c'était le Coifton et puis le Chochodi, là. Et je me suis dit... À mon avis, ça va être totalement l'inverse sur les formes... Les dernières formes d'évolution. Je me suis dit, ça se trouve, je vais préférer la dernière forme d'évolution du Pokémon Feu. Et je vais pas aimer du tout la dernière évolution de Poussacha. Et au final, eh ben, moi je préfère largement la troisième évolution du Pokémon Plante par rapport aux deux autres. La pire, c'est la troisième évolution, la pire, c'est celle du Pokémon Eau, là, Coifton. L'espèce de pan bizarre qui danse sans arrêt, c'est insupportable. Enfin, moi, j'aurais pas apprécié. Je crois que j'aurais recommencé le jeu, c'est pas possible. J'aurais pas pu garder ça... comme starter. Mais ouais, du coup, bah voilà, mais apparemment on est beaucoup à avoir choisi le Pokémon Plante. Je pensais pas, parce que c'est vrai que Pokémon Plante, je le prends jamais, moi. J'ai pas souvenir, ou alors vraiment très 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 rarement. Mais même dans les premières versions, bah, Bulbizarre, Germignon, qui c'est qu'il y avait d'autres après en Pokémon Plante? Merde, Bulbizarre, Germignon, qui c'est qu'il y a juste après? Ah, je le vois, mais je me souviens plus de son nom. Mais bref. Après, les autres des Pokémon, il y a Tortipus, mais je sais plus c'est de quelle version. Il était mime, c'est starter, mais gâché dans les EO. Ouais, après, le Pokémon Feu, il ressemble pas à grand-chose déjà de base. Hein. Moi, j'aime pas. Hein. J'aime pas. Mais ouais, j'ai jamais pris les Pokémon...
les Pokémon de type plante. Et donc du coup, pour une fois, bah, on a changé un petit peu le truc. Bref, merci du coup. Arco, ouais, voilà, c'est ça, c'est Arco. Et la dernière évolution, c'est Junko, si je dis pas de bêtises. Encore, il était plutôt classe, Junko, j'aimais bien. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pareil, les Pokémon plantes, je les prenais pas. Ils étaient un petit peu délaissés de mon côté. Moi, c'était Pokémon Feu ou Pokémon Eau. Beaucoup plus Pokémon Feu, mais de temps en temps, Pokémon Eau, c'était pas mal. Genre Lagron, moi, j'aimais beaucoup Lagron. Bref, on va arrêter de s'éparpiller. Du coup, merci à ceux qui sont passés sur ce live. Merci Pocahontas pour ton aide pour la ligue. Merci à toi d'être passé. J'espère que ça vous aura plu. Passez une très bonne journée. Et puis la suite de notre aventure après la ligue, notre combat contre Menzi. Et pour la suite, bah, Pokédex, le cratère, Shiny, etc. Allez, bonne journée à vous. Ciao tout le monde!